Le PEFC est maintenant véritablement présent sur les cinq continents. C'est la réalité de la mondialisation avec une montée en puissance de la présence du monde asiatique. Et deuxièmement, nous avons ouvert et nous ouvrons PEFC, notamment à la forêt chinoise. Je crois que ça, c'est l'événement le plus important par rapport aux pays du sud-est asiatique déjà présents. C'est aussi la présence européenne au sein du board, un équilibre par rapport aux autres continents. Et la deuxième chose, c'est effectivement que le rôle et la place des forestiers soient bien représentés au sein du board par rapport aux références et par rapport à tout l'historique et des programmes que représente PEFC, notamment l'adaptation à des programmes nationaux et aux références nationales, c'est-à-dire adaptés à la caractéristique des forêts dans chacun des États où le PEFC est présent. Je suis nommé jusqu'en 2016. C'est un élément important parce que ça nous permet aussi de réfléchir à l'évolution pendant l'ensemble de ces années. La Confédération européenne des propriétaires forestiers, dont je suis un des trois vice-présidents, est l'association qui chapeaute l'ensemble des fédérations nationales de l'Union européenne. Son rôle, c'est effectivement d'être présent et de lobbying auprès de la Commission, auprès du Parlement européen et des différentes instances de l'Union européenne, mais en même temps d'être présent dans les grandes négociations internationales. Les enjeux d'une politique forestière européenne sont de différents types. La première, c'est de bien faire comprendre aux instances qu'il s'agit d'une matière première qui est présente sur l'Union, avec, et notamment pour rapport aux territoires ruraux, mais aussi par rapport au monde urbain, la présence d'une véritable filière, depuis le propriétaire jusqu'à une filière industrielle. Que deuxièmement, nous sommes là présents sur le dialogue, bien évidemment, environnemental, et que nous sommes aussi présents dans les grandes questions énergétiques. Ce sont bien les grands débats de société, sociale, économique, environnementale et énergétique, où la forêt est, notamment en Europe, particulièrement présente. Donc la forêt est un enjeu stratégique pour l'Union européenne. Alors, sur l'année 2014, nous avons ce programme asiatique important. Nous commençons à aborder le renouvellement d'un certain nombre de programmes nationaux. Et puis, en même temps, nous avons certainement à ouvrir sur le monde, je dirais, extérieur, tout l'intérêt d'un programme comme PEFC auprès du grand public. Cela me semble tout à fait nécessaire pour bien faire comprendre les enjeux réels de la certification forestière. Il s'agit bien de faire comprendre à l'ensemble de nos adhérents que la réalité de la mondialisation, c'est défendre aussi l'intérêt et la présence de la forêt de chacun, que ce soit des forêts de Sologne ou des forêts du Limousin, bien entendu. Nous avons un marché mondial du bois depuis des années. Il faut que nous en prenions conscience et que ceci est un élément aujourd'hui de la vie, voire de la survie des forêts privées et de leur bonne gestion dans notre monde actuel.